9h, nous sommes là. Pas Oh là vous, là. pas vous. Oh là Et moi là. je suis là, je me réveille pour vous, hein, wake up 6. J'attends qu'il y ait quelqu'un pour dire bonjour. J'ai pas Oui. le temps de faire un truc. Attends qu'il y ait quelqu'un pour dire bonjour. Ah, bah il y a quelqu'un, bonjour. Bonjour, bonjour Corona Land, bonjour Corona Terre. Je sors de la douche, j'ai failli pas être là. C'est difficile ce matin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est de pire en Ceci n'est pas du pire. sport. C'est beaucoup plus que du sport. Donc, si vous voulez que du sport, vous partez. Voilà, je vous rappelle, on a le tapis, la serviette, le coussin, la petite bouteille de liquide et éventuellement la chaise. Parce que quand on va faire après le cardio, on va pas passer au sol tout de suite pour le cerveau, pour pas qu'il y ait de pression. Donc on va commencer sur la chaise. Voilà les enfants, j'ai tout dit. Je pose. Good Regardez, vous avez remarqué, je suis pieds nus. Donc vous pouvez rester pieds nus. Ne glissez pas, mes chouchous. Et je vous rappelle que moi je suis Gilbert de Corona Land et il y a Régine à la régie derrière. morning. Dis bonjour. Régine est KO. Régine adorerait faire du sport, mais là elle est en pilou-pilou Hugues. Voilà. Non, pas Hugues. Pas C'est quoi ce Hugues. truc? Une femme que tu as au pied comme. Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'est. It's true. Mais moi je dis que si tu veux pas te faire agresser à la maison, tu mets Hugues. Ouais, Ouais, d'ailleurs, je c'est vais pas vrai. faire d'humour là-dessus, mais j'y pense. Allez! Moi je l'ai aimé comme ça, ne me touche pas. On y va, allez! Tout le monde est là. Mais Là. amusez, comme on Mais dit, j'attends qu'ils arrivent. un quart d'heure de cardio. Vous allez voir, ça va me réveiller. Hein. Donna me réveille toujours. Donna. Donna! Allez, on va inspirer, on va monter. Et vous soufflez, vous relâchez. On ne respire que par la bouche. Comment vais-je faire pour parler? Tu es une mauvaise langue. Tu ne mérites pas Isabelle, d'être à Corona Land. t'es prête ce matin? Non, stop. Vous aimez bien quand je baisse mes épaules et quand je mets les bras un petit peu en avant? Vous avez remarqué, hein, c'est mon trademark. Tu gardes le centre engagé. Tu pérines. Ok, allez, un patch à côté. Tu commences comme ça viril. Ça va vite se dégrader, profite. Ça va, je saigne pas parce que je viens de me raser avec un vieux rasoir. Pourquoi un vieux rasoir? Parce que là, écoute, chérie, j'en ai quelques-uns, mais il faut que je tienne toute la confinement. Comment ça? On ne dit pas la confinement? Allez, un peu plus grand. Jean-Marie, tu sais ce qu'on pense quand tu chantes? Ah là 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 là. J'ai mon père qui est de retour, voilà, c'est ça. Vous castrez, vous me castrez, regardez, il n'y a plus rien dans le pyjama. Les deux? C'est trop haut pour moi. Oh. Surtout le matin. Moi, je suis au café encore. Ça va ça? Allez, on balaye par terre. Mon Dieu, viré de racaille la régine. Mon Dieu. Elle est avachie avec la capuche. Ça glisse ce truc-là. Regarde, je vais passer en arrière. Même un gorille, on va t'aimer. J'ouvre la poitrine. Façon gorille. Attends, je m'éloigne un peu parce que lui Et je il fera pas t'amusais. d'effort ce matin. Alors surtout, tu penses pas que tu fais du fitness. Voilà, le fitness, c'est tellement 2019. Tu t'amuses. Mais tu es placé, tu vois. Tu es fou, mais tu pérines. Est-ce que ça va dans ta tête? Comme dans la mienne, d'accord. Derrière. Croise. Croise derrière. Vous avez les pieds qui sont un peu vers l'extérieur et les genoux aussi. Parce que comme il y a un déplacement latéral, il ne faut pas qu'il y ait que l'extérieur du genou qui est le choc. On dirait une grenouille. Oh! Une grenouille. Qui c'est qui dit ça? C'est toi en plus. C'est mauvaise. Une grenouille. Mon Dieu, l'autre a la capuche avec du grenouille. C'est une grenouille, je t'embrasserai pas. Vous voulez que je vous fasse une dose de régime? Tu vas rester comme ça. Je t'embrasserai Allez, dis-moi tout, jamais. dis-moi. Bon, pour ceux qui pensent que Régine est mauvaise, Tapez un.
Tapez 1. Si vous voulez que je continue, tapez 2. Si vous pouvez pas vous passer de moi, tapez 3. Oui, on a 3. Oh là là. N'importe quoi. On a fait 2. Mais moi je rigole. Ménage. C'est affectueux ce que j'ai fait. Mais des fois je parle. Régine. Saleté ta oumpo. Mon Dieu. Il faut que je vous dise des choses. Mais là je ne veux pas. Je nage. Je lève la patte. Okay, mais la ménage. Grenouille nage. Écoute-moi, Corona Terre de Corona Land. 9h. Régine elle est italienne. Tu veux que je te raconte ses vacances quand elle va chez ses parents? Elle se lève le matin. Jusqu'au soir, elle parle à ses parents. Ah, bah et blabla, oui. Bla, et blabla. Bla. On dirait de l'ONU, tu sais, ça parle tout le temps. Bah oui. C'est le sommet international. Bah oui. Moi, chez mes parents, je me lève le matin, on ne me parle pas. Non, jusqu'au soir, il n'y a personne qui se parle. On me parle s'il y a un décès. Là, je dis, mais qui c'est qui est mort? Tu vois? C'est horrible. Pourtant, ça parle à Marseille. To be alive! Encore? Les enfants, vous êtes d'accord, on se déplace? Deux pas. Ton copain Isabelle, c'est pas de bonheur. Patrick! Hernandez! Moi aussi, j'ai toujours pensé qu'il était sympa. Hein. Ah bon, maintenant, non, hein? Si. Ah non. Je suis désolé, hein. Patrick, si vous me regardez. Non, c'est voilà. Pas vrai. Il y a des gens, je les sens. Il y a des gens, je les sens pas. Enfin, il y a des gens. Non. La plupart des gens, je ne sens pas. Tu sens personne. Oh là, aïe. Ça peut, là-bas. Ouais. J'ai quand même le bac. Born to be alive. Et tu marches. Et tu reviens. Born to be alive. Tu défiles. Et tu marches. Tu défiles. Mais tu défiles années 80, hein? Pas comme ça. Je pense que c'est fini à la mode de crise. Vous avez remarqué, à la télé, on n'a plus envie de regarder les serial killers et tout ça. Mais oui, la police sur le terrain qui se fait maltraiter. Il nous reste de finesse tout le temps en ce moment. Bonjour Marie, tu t'égares. Ça veut dire que je regarde pas la télé, quoi. Attends, je m'égare. C'est vrai ou nouvelle-je? Qui suis-je? Où cours-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Tu cours-je? Moi, je cours. Tu cours, il court. T'es en train de courger. C'est quoi, je défile? T'es en train de courger. Je suis Gilbert et je défile la Corona Land. J'ai trouvé le truc pour Régine. Pour qu'elle travaille, il faut que je bouge sur les côtés. Comme ça, je suis avec la caméra. Je te ferai plus jamais de photo. Les enfants, je suis en train de mourir des poumons. J'ai de l'asthme. Ouh là là. C'est horrible. Mon Dieu, j'ai la jambe légère. Regarde, Régine. Je crois pas que j'ai un peu pris de la jambe. Regarde. Hein, je potelle un peu, non? Grenouille. Mon Dieu, les enfants, j'ai l'impression que vous avez mis le club de Dorothée. C'est pas possible. Donnez-moi une baffe. Vite, vite. C'est le corps. Regarde. T'arrives à faire ça? Est-ce que ton cerveau est avec toi encore? To be alive? To be alive. To be alive. Alors, on prend chaque côté. Vous avez rappelé les genoux de pied à l'extérieur? Non, tu fais un live. Je vous ai raconté l'anecdote, je vous ai tout raconté déjà. Non, là, on n'est pas réveillé pour tes exploits de Cannes. Je vous ai raconté, alors moi j'ai fait Cannes. J'ai fait Hollywood. Et t'as fait Cannes. Ouais. J'ai pas fait Angoulême. Ouais, non, j'ai pas fait Angoulême. Non, j'ai jamais voulu me faire tatouer. Allez. Ça veut rien dire. Non, mais ça, c'est y a que ceux qui me connaissent et qui comprennent. Angoulême, tu me connais pas, il y a la BD. Comment ça, tu connais pas ce que c'est, me peu? Allez, rebondis. Tu tiens le ventre, hein? Tiens, pour Pauline, Brigitte, regardez, je vous présente le talon. Ça vous plaît quand je vous présente le talon? Je sais pas ce que c'est, là. Oh là 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 là.
Moi, je suis artistique, elle, elle est commerciale, elle fait la mode. Commerciale? Moi? What are you talking about? Moi, commerciale? Ça va, ça? Juliette? On peut changer sur le côté? C'est dans les diagonales, le côté. Ah, je me pleure, bah, 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 bah. T'as vu? J'en peux plus de la pub sur la musique gratuite. Mais c'est comme ça. Elle est derrière. Rien n'est gratuit dans la vie. Camille le gant. Alors quelle main on va mettre devant? On met la main opposée à la jambe avant. Attention, je vous laisse, je me concentre. Allez, derrière. Camille bien le gant. Penchez si vous voulez. Bah, si vous voulez, oui. Ok, relâche. Ce qui est bien, c'est que tout ce que tu fais, c'est bien. Qui c'est qui l'a dit, c'est moi? J'adore, tu tournes. Tu vas dans le décor. J'ai l'impression d'être Nicolas Waldorf quand je fais ça. Tu expliqueras qui c'est? Mais je suis pas Macha Carter, hein. Comme ça qu'elle s'appelle? Charma Carter? Oh, je sais plus. Dites-moi. Allez, vous savez très bien que j'ai déjà confondu RFM, RTL, je suis viré de la musique. Mon Dieu. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, tu tournes. Tu marches. Tu poses. Ellie! Il y en a combien qui sont par terre déjà dans l'estorage? Bah, toi déjà? T'es dans le décor! Bon, vous continuez parce que là c'est vraiment pour ma famille de Pauline. Elle a frime à 9h du matin, c'est dur! Et la salle, c'est tout petit gosse! C'est dur! Ça, c'est pour Brigitte! Mais Brigitte, elle dort, elle nous a pas dit qu'elle est là. On n'a pas fait les piquets! Non, on fait pas ça, allez, marchez! Comment ça va les choux? Regardez, vous vous rappelez qu'on a fait des petits trucs comme ça devant? On en a fait sur les côtés et on a fait derrière. Allez, on en fait deux. Et derrière. Et sur les côtés. Voilà, allez. Bon, au côté, deux bras. Ouais. Et vous savez, on va garder les deux bras tout le temps, ça va être plus facile. Voilà. Et on les avance. Voilà, c'est mieux, hein. Et sur les côtés. Allez, devant. Ok. Derrière. Tu tiens le centre. Hein. C'est vraiment en bas. Hein. C'est 45 degrés. Hein. Mais sublime. Je veux la gambe. Encore. C'est quoi ça déjà? Ouais. Ah, c'est la fièvre. Ouais. C'est la fièvre qui s'empare de moi. Je suis avec vous. Ouais. Allez, je vous fais la régine. Allez, comme ça. Et fais la bouche comme ça. Eh bien, moi, je le garde, ce truc-là. Moi, j'adore. Allez. Moi, je passe par-dessus. Je vous chorégraphie un petit truc. Encore 4, 3, le dernier, on va rester pieds joints pour repartir de l'autre côté. On y va. Ça devait être bien cette époque. Tu peux nous la raconter? C'est mon premier mariage. Ouais, avec le Gloria Lasso. Ouais. Non, faisais pas le Far West. C'est nul quoi? D'abord c'était Zaza Gabor, après Gloria Lasso. Ah, tu connais pas. Tu googles, tu googles. On va se calmer. Eh oui. Vous pensez simplement à baisser le rythme cardiaque, donc vous soufflez à fond.
Moi, j'aimerais bien que Régine cherche comme ça à vous montrer. Non, vas-y. On a 20 ans ce matin. Régine, chérie, holo. Ah, mon Dieu, m'ignore complètement. Dites-nous de changer la plage, de mettre le groupe Emma, Wonderful Life. Parce qu'on a fini le quart d'heure. Bon, j'y vais. Ah, c'est fini. Ah bon, c'est plus Las Vegas. J'ai été pris à l'audition ou pas? Ah bon, tu vas m'appeler? Tu n'as pas mon numéro? Tu vas le trouver? Je dois partir. Bon, ok. Allez. C'est... J'ai fait une super audition. Ah, j'étais classe. J'ai fait comme ça. Voilà. Isabelle dit qu'elle est morte. Elle va crever dans un coin du balcon. Adieu. Ne sortez pas, il y a les allergènes. Bisous. Non, bois. Pourquoi je dis bisous? Wonderful Life, le groupe Emma qui me prête les droits. Comme ça, j'ai pas la pub. Je le passe ce que j'aime. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je garde ça à proximité. Je me vois, c'est quoi ça? Allez, tout le monde a suivi le premier cours de Nadine de Rothschild. Hein? L'art de recevoir. Hein. On se vautre pas, on n'est pas comme ça. Alors, tu t'assois au bord, tu plantes tes ischions. Tout le monde connaît les ischions? Bien, bien. Bien, bien. Allez, vous arrondissez le dos. Vous serrez les jambes, hein. Et vous revenez. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? On bascule le bassin par la contraction des obliques. C'est entre le bassin et les côtes. C'est 2 cm de rétraction, hein. C'est pas un effondrement par la fin du monde. Hein. Voilà, et après, tu plonges, pousse ça en arrière. Les épaules en avant et tu te redresses. Souffle. Inspire, tiens. Souffle, plonge. Et inspire, redresse. Voilà. Faites-moi de la technique. Faites-moi quelque chose de précis. Parce que sans ça, il n'y a rien. Entre le menton. Quand on arrondit un peu le dos. C'est bien le ventre en arrière, sentez la contraction des obliques. Ah. Si vous avez une scoliose, vous ne changez pas la forme du dos, vous partez droit en arrière, mais avec la tenue ici. Et vous revenez droit. D'ailleurs, faites tout le monde la même chose. Vous allez voir qu'on sent beaucoup plus l'engagement abdominal, parce qu'il y a des muscles qui vous font cambrer et il faut contrecarrer ça. Donc vous serrez ici. Ah. Et n'oubliez pas le périnée. Ouais. I need a friend, j'en ai plein de friends, hein. Pas sûr. À cette heure-ci, hein. Superbe. Allez, maintenant, vous allez pivoter. Et revenir. Alors, pour être sûr que vous ne pivotez pas avec les bras seulement, mettez les mains sur les clavicules. Vous voyez, engagement abdominal et on pivote. S'il y a un discomfort le long de la colonne vertébrale, c'est que vous n'avez pas votre courbure vertébrale. Vous voyez, moi je dois arrondir un petit peu parce que sinon, si je reste comme ça, c'est bizarre dans le dos. Appuyez les mains, baissez les clavicules. Vous soufflez par aller sur le côté. On complique ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va soulever la jambe au ras du sol et on pivote. On pivote, on soulève la jambe au ras du sol. On garde la taille engagée, pareillement des deux côtés. Hein. Vous voyez? Là. On a les hanches au même niveau. Alors, on va rajouter quelque chose, une petite résistance. Vous allez ramener la main à la face interne de la jambe. Voilà, épaule basse, donc il y a une résistance. On sent les adducteurs, on sent les pectoraux et on va sentir les obliques, comme ça. Voilà. Vous soufflez, vous pivotez. La base de la contraction abdominale, c'est vraiment le périnée. C'est l'impression vraiment de remonter comme une coupole.
Recule. Mon Dieu, mais dans la tête, ça va pas. C'est encore le truc à la fenêtre. C'est le blanc. Vous avez vu le groupe Emma comme je vous fais la Corée? Je crois qu'ils sont allés au Groenland depuis que je passe leur musique. Ils sont rois qui se cachent. Ok, superbe. Alors maintenant, regardez. On a travaillé cette tenue abdominale qui est primordiale. Vous allez pencher en avant sans faire le dos rond. Donc c'est l'impression d'écarter les os du bassin. Alors vous allez en avant. Évidemment, vous ne déballez pas l'affaire. Hein, périnée oblique, vous tenez, voilà, sentez tout le travail qui est dans le dos et vous allez essayer de sentir le travail qui est entre les omoplates. Pour ce faire, vous allez ouvrir comme ça, là, voyez, faites-le avant de pencher. Montre-nous le dos. Ouais. Est-ce que vous sentez quand vous faites ça, que ça se contracte entre les omoplates? Allez, vous penchez, vous restez, vous ouvrez, vous refermez et vous vous redressez. Ça y est, on est dans l'ascenseur. On est dans l'ascenseur. Mon Dieu, quand j'entends la musique comme ça, j'ai envie d'avoir des gants comme ça. Pas toi? Oh, je me sens Carole. Je vous dirai pas qui c'est Carole. C'est mon jardin secret. On l'a déjà eu cette conversation, hein? C'est non. Carole Lombard? Non, jamais on a eu ce conversation. La femme de Clark Gable? Oh, elle était drôle. Alors ça c'était une... Elle aimait que les hommes. Ah ouais, elle rigolait qu'avec les hommes. Elle n'avait pas d'amis femmes, pas trop. C'est mon idole. C'est mon seul idole de ton époque. Ne corrigez pas les fautes de français de la Régine. C'est... Non. C'est sa touch. C'est ma valeur ajoutée. Arrêtez. Tout le monde me dit, ne touche pas à ton accent. Et surtout, garde toutes tes fautes. Tout le monde me dit, qu'est-ce que c'est cet accent pourri que tu as? C'est charmant. Non, je suis sûre que vous trouvez ça charmant. Non, je parle de moi. Ah, de toi, oui, toi c'est pourri. C'est pourri. Vous aimez mon accent? Vous trouvez que j'ai un accent? Non mais répondez quand même. Si tu aimes mon accent, tu tapes 5. Ils sont en train de faire de l'exercice. Vraiment, tu tapes pas des conneries. Ils sont en train de faire de l'exercice. Arrête. Concentrés. T'es jalouse de moi, toi? Oui, toujours, j'ai toujours été. J'ai toujours été. Ne fais pas rire, j'ai l'asthme après. Bon, c'est bien ça, j'adore. Alors, regarde, maintenant, tu vas essayer de monter les bras sans lever les épaules. Toujours en gardant la tenue abdominale. Régine, elle va parler, alors moi je le fais de suite, regarde. Je baisse les épaules et je monte les bras. C'est quand même mieux quand on voit ça. Alors, essaie de rester là. Voilà, tu montes les épaules et tu les descends. Donc tu vois que je suis dans la diagonale avant. Ah, trop savoureux vos deux accents. Le sien est forcé, le mien est vrai. Il commente pas, il est vexé. Pour ceux qui croient que la vraie pétasse, c'est pas moi. Hein? Allez, penche en avant. Maintenant, tu restes comme ça, légèrement penché. Tu gardes les obliques engagés, tu écartes les os du bassin, tu pérines, et là, tu vas monter. The true petas is you. What I was afraid. Les épaules basses, hein. Je vous rappelle, hein, regardez. Là, épaules basses. Donc, il y a un gros travail sous les selles et en bas des omoplates. Pour ceux qui disent que je transpire sous les bras, c'est pas vrai. Je l'ai acheté comme ça. C'est la nouvelle collection. C'est la nouvelle collection Balenciaga. Non, c'est pas vrai. Les enfants, c'est pas vrai. Parce qu'il y a tout Balenciaga qui me regarde, alors c'est pas bien. Non, non, non. C'est une connerie. Oui, je retire. Je l'ai jamais dit. Non, 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 non. Allez, relâche. Faut être gentil avec Balenciaga. Bon, allez. Non, oh, tais-toi, parce qu'on dit pas. Alors, on se lève. Comment ça, on s'assoit? D'accord, on s'assoit. On se lève, on s'assoit. Ok, regarde. T'as vu? J'ai les pieds qui sont écartés dans la largeur des épaules. Un peu comme Lucky. Ouais. Tu gardes les talons en retrait des genoux.
Ça va, tous les mots, tu les comprends? Et tiens, les genoux alignés avec les orteils, comment tu veux voir de face? Ça donne ça. Là, tu penches, c'est ce que tu viens de faire. Tu pérines, c'est ce que tu feras. Et tu vas soulever les fesses. Mets-toi de trois quarts, voire de profil. Oh là là, j'en peux plus. Et j'ai des droits quand même, hein. J'ai pas que des devoirs. Bonjour Patricia, Sabine, Jessie. Ah, Jessie, chouchou. Les autres aussi, hein. Là, tu penches, tu soulèves. J'aime bien ton prénom, Jessie. Jessie, c'est ma copine qui fait les bijoux. Tu sais, qui est artiste. Je suis allée voir l'exposition, je te rappelle. J'aime bien ce prénom, Jessie. C'est alors regardez là, j'écoute. Vous allez monter au ralenti. Ne tendez pas les jambes à fond. Voilà, regardez les muscles engagés. Et vous avez le grand aspirateur à fesses. Voilà, à l'arrière. Ne penchez pas que le buste, hein. Pliez bien. Ouais. Les genoux, regardez les enfants. Regardez-les écartés, pas ça. Hein. Là, on monte. New York Jazz Lounge, ça s'appelle, ce morceau. Mon Dieu, je sais pas s'il y a la chaise, j'ai peur de mourir. J'avais un coin de chaise dans les fesses. Une expérience. Vous avez vu que je travaille tout doucement? Tout doucement. Ouais, je sais qu'il y en a qui viennent de chanter derrière. Et après, il y a la phrase que personne ne comprend. Envie de changer l'atmosphère, l'attitude. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, Jean-Marie, t'as des références trop abstraites. C'est Bibi? Même Bibi, c'est trop abstrait. Ah, mais non. Oh là là, je fais des bêtises. Ok, superbe. C'est bien, ça, ce que vous avez fait, c'est important. Alors, on va se lever. On va se mettre de profil. Là, ouais. Alors déjà, trouvez-moi l'équilibre. Voilà, ouais, trouvez-moi l'équilibre. Ça va, vous l'avez ce truc-là? Ouais. Vous le faites de l'autre côté rapidement pour voir? C'est la jambe intérieure. Voilà, serrez bien la taille. Ok, maintenant, vous allez me garder la taille serrée pour monter sur le côté. Je ne veux pas voir ça. Donc vous serrez la taille de côté. Là, vous voyez? Là? Non. En deux. On ne rétrécit pas la taille ici. Serrez bien. Vous soufflez, vous montez, vous restez en parallèle. Ça, c'est très important de travailler tout ça pour redresser la posture. Tirez loin sur les doigts. Solide la jambe de terre. On va essayer d'avoir un doigt sur la chaise. Ou rien. Parallèle, hein. Pas de rotation. Au même niveau les deux hanches. Tu changes. Et hop. Est-ce que tu pourrais nous la faire un petit peu en diagonale comme ça? Comme ça, là? En diagonale, là. Voilà. Elle est parallèle. Je pense que c'est mieux pour comprendre. Les deux hanches au même niveau. Les orteils vers l'avant. Tirez moins sur les doigts. Voilà, on comprend bien. L'important, c'est la jambe de terre, solide, l'engagement abdominal qui stabilise le bassin, que la jambe qui bouge. Et on grandit par la tête. Stabilisez les épaules. Et si vous perdez l'équilibre, la chaise avec un doigt. Wouh! Ah! Et quand même, ça tire, elle est relâchée. Relâchez les jambes. Ouais. On est dedans, dehors. On va au sol? Allez, on y va. Gardez la chaise. Vous savez que c'est une valeur ajoutée. Je sais pas ce que ça veut dire. Je trouve que ça fait bien, je dis. Allez, voilà. On voit un petit peu. Hein. On me remercie. De quoi? De tout. De être. D'exister. D'être avec eux. De les soutenir. De les entretenir. Faut que tu arrêtes le limoncello, de les, dis, hein. De les amuser, j'en ai plus. Alors à Turin, vous savez ce qu'elle boit, le bichérine? Ah ouais. C'est la liqueur, alors vous ne devinerez jamais la liqueur de pâte à tartiner.
Ça existe, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le chocolat à la noisette. Comment tu connais pas, toi? Alors, attends, je t'explique. Mmh. Tu connais le Belès. Tu vois le goût un peu, tu vois la texture. Et eh ben, t'imagines qu'à la place de ça, c'est la pâte tartinée. C'est le gianduja. Voilà, de l'alcool. C'est le Belès du gianduja. Ouais, tu n'étais pas alcoolique avant. Et eh ben voilà, c'est terminé. C'était avant. Ça, voilà. C'était avant. Ça, c'était avant. Allez, couche-toi. Je me tais. Ok. Alors. T'es ok, t'es batte, t'es une. Alors là, je suis à angle droit. J'ai rembourré pour les pieds. Hein. Angle droit, talon, largeur des fesses pour les pieds et les genoux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez basculer le bassin. Basculer le bassin, donc vous rétrécissez la taille par la contraction des obliques. Donc le périnée, les obliques. Voilà, c'est le début du mouvement. Après, mettez les mains sur le bassin, le début des jambes suivant la longueur des bras. Voilà, après que vous ayez basculé, vous appuyez. Voilà, vous sentez le travail derrière les cuisses, mais le plus important, ça va être ce travail-là, sur les fesses. Donc, faites la bascule du bassin, voilà, et après vous montez. C'est toujours l'impression de ramener le coccyx vers vous, comme ça, là, vers la tête. Et après, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Quand vous êtes au sol, vous n'avez besoin d'aucune tenue. Donc, retrouvez l'impression d'avoir un verre en équilibre sur le pubis. Essayez avec un vrai verre. Une coupe à champagne. Oh là 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 là, du champagne. En fait, on aime tout ce qu'on aime pas d'habitude. Moi, le champagne, tu m'en donnes, je me donne plus longtemps. Mais là, j'en veux. Est-ce que tu sens ce travail sournois? Ouais. Tu peux demander à la maquilleuse qu'elle va porter des lunettes, ça? Mais la maquilleuse, elle dort. Elle est au pieu, la maquilleuse. Excuse-moi. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir que je me mouche. Hein. Bon, c'est pas grave. Tu continues, je me mouche. Allez, bisous. Tiens, parle-leur. Dis-leur à la météo, tout ça. Alors, vous faites 1, 2, 3. Oui, vous revenez. 1, 2, 3. Il est parti se moucher, il revient. Excusez-nous. Tout de suite, il arrive. 1, 2, 3. Oui, c'est bien ce que vous faites. Continuez comme ça. J'ai étendu le linge en passant. Hein. Vous périnez. Vous serrez. On n'arrête pas, sinon on ne maigrit pas. Allez. Clin d'œil à Frédéric, s'il nous regarde. Allez, step touch. Non, on n'arrête pas. J'ai pas la concurrence à la maison. Alors, allez, relâchez ça. Vous êtes là. Vous allez essayer de ramener une jambe après l'autre à table. Et vous reposez. S'il y a une tension dans le cou, mettez quelque chose derrière. La tête. Vous montez une jambe après l'autre. Évidemment, quand vous allez monter la deuxième, vous risquez de lâcher le dos et de pivoter le bassin. Donc périnée, bascule du bassin. Voilà. Et vous essayez de monter une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Pour être sûr que vous n'êtes pas cramponné au sol comme la misère sur le monde, ça c'est les expressions de ma mère. Voilà, vous tenez, vous tirez les bras au-dessus du ventre, voilà, et vous baissez les épaules. Pour la respiration, c'est inspire sur une jambe, souffle sur la seconde, inspire de ça la première et souffle de ça la deuxième. Vous savez quand on dit seconde et deuxième, vous le savez ou pas? Ils ne répondent pas, ils font les exercices, ils périnent, ils peuvent pas répondre. Tu seras mignon, hein? Ah, je suis mignon, tu aimes bien mon physique? Non, mais c'est pas sans dire. C'était une blague. Bon, je vous le dis alors, allez, comme ça fait passer le temps. On dit seconde quand il n'y en a que deux, mais à partir du moment où il y a trois, tu dis premier, deuxième, troisième, tu vois? Mon Dieu! Voilà. Fitness orthographe. J'adore le concept. Alors là, tu veux que je t'explique? Je t'explique même si tu veux pas savoir. J'ai dit surdoué. Elle m'a dit si tu veux pas de concurrence, je te trouve à la niche, tu vois. C'est un truc que je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Moi je suis pas un chien, mais bon, je fais la niche. Voilà. Et elle m'a dit, tu vois, fitness orthographe, tu n'en auras pas beaucoup. Vas-y, vas-y, viens dans la niche. Bah je dis toujours que les concepts inattendus sont ceux qu'on n'attend pas. Ça veut dire quoi? Allez, bascule du bassin, vous montez. Tu comprends rien, je peux pas t'expliquer. Ah, basculez bien le bassin, hein, au maximum. Ah, et puis après, vous déroulez.
forcer la bascule. Voilà, là. Voilà. Vous voyez, je peux basculer encore plus. Voilà. Il y a plus de travail sur les fesses que sur l'arrière des cuisses. Parce que la fesse, c'est le muscle puissant du corps. C'est pas le biceps, ça. Eh oui. Moi, perso, je l'avais compris. Hein. Tu peux redire l'expression de ta maman? La misère sur le monde, un truc comme ça. Ah, je sais plus. Relâche. Ma mère a une expression par minute. Quand j'étais petit, elle disait à mon frère, celui-là, de loin la mer, il trouve pas. J'ai jamais compris. Hein. Allez, vous mettez les lettres en l'air. Mais si, ça se comprend. Ton ah non, elle disait, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je comprenais, va voir ailleurs si j'y suis. Bon, tiens, laisse tomber, allez, c'est pas grave. Tiens, la serviette, tu la mets entre les genoux. Tu me fais plaisir. Voilà, là, tu serres, hein. Tu serres comme si tu avais le billet de 500, là, tu vois. Voilà, tu es vénal. Bon, allez, reste comme ça. Maintenant, tu vas soulever une fesse et tu vas aller sur le côté. Tire moins sur les bras, surtout le bras opposé. Voilà, et tu restes. Là, tu gardes les pieds dans le prolongement des genoux, hein. On ne pivote pas, c'est pas ça. Allez, tu reviens. Voilà. Bascule du bassin, tire sur les bras, rentre un peu le manteau et tu bascules. Voilà, sur le côté. Et reste, sans bien ce travail là, des obliques. Tu sais, Jean-Marie, tu devrais te mettre la tête vers moi et montrer ce mouvement. Régine, je demande une augmentation. J'ai pas signé pour tout ça. Voilà. Voilà. Exactement. Ouais, je sais très bien que tu veux plus me voir. Je suis persuadée que ça, c'est bien. Ah, vous comprenez là ce qu'il faut faire, on est d'accord. Ah, je te rappelle que tu as une réalisatrice qui nous regarde. Bah oui, ouais. Justement. Serrez bien la taille, arrête de parler. Justement. Voilà. Tu as le périnée tellement contracté que tu n'arrives plus à parler. Voilà, ça c'est bien. Il est dans la bouche. Il n'y a pas de lunettes patchwork qui a fait un truc comme ça, un parfum avec le goût du périnée, non? Quoi? Elle va te dire qu'elle va porter plainte. Non, mais à la fin, tu vas mettre... Si tu dis un truc comme ça, elle te regarde, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Non, elle est folle curieuse, de toute façon. Non, mais elle a fait une chaîne, je sais pas quoi, sur YouTube. Et elle a fait un parfum. Avec l'odeur de sa culotte, un truc comme ça. Bon, je m'en vais. Et t'attends, c'est rupture de stock, tout le monde en veut. Bon. Moi, je te dis que les gens sont dingues. Vous m'avez pas entendu, j'étais de dos. J'ai voulu aller visiter la boutique à Londres de Gwyneth Paltrow. Jean-Marie m'a fait la gueule pendant l'après-midi entier. Ah oui, c'est logique. Non, mais franchement, tu dis des choses comme si c'était pas normal. Allez, les enfants, on va cambrer. Et arrêtez de faire cette chanson quand je dis ça, ça m'énerve. On va cambrer. Ouais, je vous ai entendu. Je t'ai reconnu. Allez. Regarde, tu prends ta pose de gaïcha, tu mets l'os du bassin, tu l'as, tu veux le toucher le mien? Il est là. Et tu remontes vers le ventre. Maintenant, tu vas à plat ventre. Maintenant que tu es bien équipé, rembourré. Voilà, le bassin et ça remonte dans le nombril. Alors, parallèle, les bras le long du corps. Tirez sur les jambes, basculez le bassin, tirez sur les bras. Les paumes, tu choisis, suivant tes épaules, soit vers les cuisses, soit vers le haut, comme ça. Et vous allez basculer le bassin, ouvrir la poitrine, ça c'est l'inspiration. Et en soufflant, vous allez soulever juste le haut du dos. Alors, vous planez. Vous foncez, que vous pensez que vous foncez, avec le sommet du crâne vers l'avant. Vous foncez que vous pensez. Voilà, restez comme un gainage. Les épaules basses, la bascule du bassin, les jambes très tendues, avec l'impression qu'on serre un ballon entre les pieds. Donc il y a le travail des adducteurs. Les bras légèrement soulevés du sol. Et puis vous relâchez, vous vous étirez à quatre pattes brièvement. J'ai dit quatre pattes hein, quand même. Ça va, c'est la forme. Oh, on y va. On fait le second. Alors, regardez.
Même endroit, hein. Bassin ventre. Vous écartez les jambes. Dès qu'on écarte les jambes avec cette rotation, vous voyez, les talons qui se regardent un petit peu, et il y a moins de tension sur le bas du dos. Donc là, vous allez vous redresser. Voilà, la bascule du bassin. Vous gardez le bassin et les dernières côtes au sol, comme ça il n'y a pas de mobilité sur le bas du dos, que le haut du dos. Donc on contracte entre les omoplates sous l'omoplate, et vous allez mettre les mains là, regardez, les doigts aux épaules, comme une poule. Voilà, les coudes, pas en haut comme ça, c'est au ras du sol. Et vous avez la nuque dans le prolongement du dos, ça veut dire ni le cou rond, ni le cou cassé. Voilà, comme une piste de décollage. Allez, restez comme ça, tenez le ventre. Alors, que vous inspiriez ou que vous souffliez, vous tenez le ventre, donc le périnée est actif. On a une respiration costale, pas ventrale. Il s'énerve. Que vous souffliez, hein, t'as quand même dit. Hein. Que vous souffliez. Ouais. C'est joli. Ouais. Allez, tirez-vous. Il y a un truc comme ça, mais je ne sais plus si c'est dans Bérénice ou Andromaque, que le jour se lève, que le jour... Il faut que je la ressorte, je l'adore cette chose. Voilà. Sans que Pyrrhus... on verra, on en reparle. Allez, arrondis le dos. Ah. Allez, on va sur le côté. Non, on va sur le côté. On va sur le dos. On va faire la série abdominale. Alors, tu mets ça sous les fesses. Ouais. Et tu vas mettre quelque chose derrière la tête. Si tu as deux coussins, tu fais comme ça. Hein. Ouais, tu fais question-réponse. Tu mets ça sur la fesse. Ouais. Question-réponse. Les enfants, j'ai un peu plus d'aide. Allez, là. On dirait pas un petit caniche de concours. Là. Allez, là. Vous allez descendre une jambe après l'autre en soufflant. Un pitbull de concours. Non, si vous la voyez, elle ressemble plus à un caniche abricot qu'à pitbull. Qui, moi? Ouais. Non, quoi? Ouais. Les deux jambes en l'air. Et une jambe après l'autre vers l'avant. Vous contractez la taille de la même façon des deux côtés. Isabelle dit qu'elle est contente de cette reprise, mais elle doit arrêter si elle veut vivre encore quelques jours. Alors, le coronavirus ne l'a pas eu, c'était Jean-Marie. Jean-Marie Mathuère. Hein. Après Omar. Les enfants, vous restez comme ça. Là, ramenez les orteils. Vous pointez et vous revenez à table. Soufflez. Inspirez. Sentez l'étirement. Vous en voulez plus? Regarde. Là, vous ouvrez. Quand tu dis étirement, tu parles de douleur? Tu veux dire douleur en fait. Tout doucement, sans faire de bruit. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Alors vous n'êtes pas obligé de faire à l'extrême comme moi, en fait, moi un petit V. Hein. Voilà, comme ça. Mais ça c'était pour Pauline hein, que je faisais ça. Pour Brigitte, pour Emmanuel. Toujours plus belle. Mais elles dorment là. Hein. Emmanuel, comme un soleil. Elles sont pas là. Vous savez pas ce que je chante là? François Valéry. Oh, c'est ouais. Qui? Hein? 78. Oh mon dieu. Ok, elle est relâchée. Maintenant, vous restez là. Une jambe qui descend, une jambe qui remonte. Voilà, on marche au plafond. Et vous avez raison, si on marche, on est comme ça. Je vous rappelle que le 28 avril, Gérard, là, en face de moi, en fait, c'est 73 ans. C'est Gilbert. Pourquoi tu me rajeunis? J'ai pas honte de mon âge. Ah oui, 85. Je croyais que par contrat, tu m'avais dit de pas révéler. J'ai pas d'âge, arrête. J'ai pas d'âge parce que je suis pas humain. Tu m'avais dit de mentir. Ok, allez, relâche. Les enfants, c'est superbe. Relâchez, on va s'étirer. Et on va commencer par étirer là. Relâchez, on va s'étirer. Attends. J'aime bien. Relâchez, on va s'étirer. Tu me changes de la plage. Faut tout dire, j'ai briefé avant, hein. Moi j'aime bien ça, le jazz de New York. Oh. Maintenant elle dit ce qu'elle aime, j'en peux plus. Oh, bah oui. Voilà.
Je vais demander à l'assistante de 3e et de Scorsese de dire ce qu'elle pense. Tu vas voir comment elle va être reçue. Il faut étirer là, les enfants. Moi, Scorsese, tu sais ce que je lui dis? Alors, regardez, pour étirer, on va prendre un truc de yoga. Là, vous reculez la jambe. Pied flex des deux côtés. Le pied flex, ça sécurise toujours le genou quand il est plié et en rotation, ce qui est le cas. Maintenant, basculez le bassin. Voilà, vous basculez le bassin, vous rétrécissez la taille. Et vous avez une action périnéale certaine. Vous allez bloquer cette jambe-là avec le pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait les étirements, nous, coronataire, on a toujours une résistance. Donc la résistance, ça va être de ramener la jambe contre le pied. Pousser le pied, la jambe aussi, vous voulez la ramener vers l'avant comme ça, vous voyez? Comme ça. Voilà. Et à partir de là, la bascule du bassin, le périnée, vous allez essayer de piloter. La rumba, elle est pas là? Bah si, elle est là. Elle dit que tu es intemporelle, timeless, comme le sac Chanel. Alors, si tu peux me trouver un autre exemple, parce que je le déteste, le sac Chanel. Moi, j'en ai trois de timeless. Ouais. Ah ouais, moi j'ai une grosse dent de tigre sabre, tu vois, j'ai cette dent-là à peu près pour contre la Chanel. Allez, l'autre côté. Ouais. Arrête. Ouais. T'as rien fait. Côté. T'as rien fait à toi. Tu l'as le livre où elle est au handicap avec la peau? Allez, basculez bien le bassin. Oui. Bloquez le genou. Bah oui, ça oui. Basculez bien le bassin. Vous sentez ce truc là? Ça commence à étirer ici. Bisous Isabelle, tu nous quittes déjà? La taille. Tu peux quand même nous regarder. Et on pivote. Mais c'est génial, t'as tout fait Isabelle. Ça fait combien de temps? Ça fait 9 jours qu'elle a eu le virus? Elle était malade. Je sais pas, continue tes exercices. Vas-y. Donc vous résistez, vous périnez, vous tournez. Céline Dion. Jennifer Rush. Pour le puriste. Je t'ai raconté que j'ai vu Céline Dion 2 fois à Las Vegas. Merci, merci Coco. J'ai payé 3 trajets. D'avion, 3 séjours, 3 semaines, 2 fois. La première fois, elle a annulé. La première fois, elle a annulé. On était contents. Il y a René qui est venu, il a dit, ah, je vous mets le DVD. Je vous rembourse, évidemment. C'est vrai, il a mis le DVD. Coco était complètement défait, liquéfié, parti en train de regarder comme ça. Je dis, mais on va revenir. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'aurais dû laisser passer. On est revenu. Je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. C'était le Cirque du Soleil avec elle. Il y avait tellement de cirques de soleil, je ne sais pas où elle était. Je voyais le piano qui volait, le cheval à côté. Allez, laisse tomber. Non, croise les genoux. C'était bien. Alors, je te montre. Hein. Soit en tailleur, soit tu croises les genoux. Voilà. Si tu as mal au genou, tu te mets en diamant, comme ça. Le 21 mars, elle dit, Isabelle. Elle l'a développé le 21 mars. Ça fait 15 jours. Donc, un peu plus, presque 3 semaines. J'ai décidé de pencher en avant. J'ai appris que ma copine danseuse à Sydney, elle avait. Ouais. À Sydney? Ouais. T'as une copine danseuse à Sydney? Non, Sydney, elle s'appelle. Ah, d'accord. Elle l'a, et alors elle va bien, c'est juste qu'elle a perdu le goût. Ouais. Mais elle va bien. Elle est penchée en avant. On développe à différents niveaux. Elle est penchée à partir du nombril. Moi j'ai hâte d'être testé si un jour ça arrive ce truc là. Pour savoir si je l'ai eu avant. Parce que j'ai été malade 15 jours comme un chien. En janvier. Février. Bah on rentre en Italie. Quand on nous avait testé à l'aéroport. Allez, avancez le nombril. Vous avez les pieds flex. Vous enfoncez les jambes dans le sol. Les pieds et les genoux. Et ça vous aide d'ailleurs à vous redresser. Vous sentez? Les mains devant ou derrière, hein, c'est à vous de voir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un petit truc encore. Parce qu'on pousse le genou vers le bas en résistance, vous pouvez l'attraper comme ça. Alors, poussez le genou contre les mains. Il faut 3 semaines pour commencer à aller bien, Isabelle. Alors, redressez-vous bien. Ouais, donc tu vas commencer à aller mieux, de mieux en mieux. Là. Avec les flex.
très important d'étirer les fessiers parce que si vous faites beaucoup de travail de jambes, beaucoup de travail de cardio, eh ben, les fessiers travaillent énormément. Voilà. Donc, si vous ne les étirez pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est tellement tendu que vous commencez à avoir mal au dos. Mal au dos, voire des sensations de sciatique que ça lance dans le coccyx, le sacrum, voire dans le début des jambes. Allez, relâchez. Quand même, vous avez vu la reine Elisabeth à la télé? Elle a la pêche, cette meuf, hein? Moi, je la kiffe, Lulubette. Moi, j'adore. Mon Dieu, mais... Comment on parle? Régine... Quand vous voulez choquer Jean-Marie, vous parlez comme une racaille. Régine a 80 ans, elle dit kiffer une meuf. Les pieds flex, allez enfoncer les chevilles dans le sol. Allez enfoncer les genoux vers le sol. Équilibrez la taille. N'écoutez pas Régine. À midi, c'est Schtroumpfett qui fait la captation. Régine travaille. Ah oui. Si vous voulez aller plus loin. T'as raison, Isabelle. Redressez-vous. Elle dit qu'à son avis, 60% de la population l'a eu, mais les symptômes. Voilà, c'est comme la grippe, donc on n'y a pas pensé. J'ai bien aimé ton anecdote hier, Isabelle, que tu es sortie dans cette tenue-là et que tes voisins ont fait la drôle de tronche. Quelle tenue? Ah ben, elle était dans une tenue qu'elle n'avait pas calculée en sortant pour taper sur la casserole à 8h. C'est entre nous. Moi aussi, hier, j'ai sorti la cuillère en bois et le couvercle. Sentez une tirement dans la fesse? J'adore, hein. C'est une fondue de fesses. Ok, relâchez. Alors... Asseyez-vous sur le coussin. Si jamais vous avez un doute, vous asseyez sur le canapé. Comme ça sera mieux. Voilà. Vous allez attraper une. Je vous montre sur le canapé ce que ça vaut le coup. Ou sur la chaise. Regarde, déchire mon cœur. Tiens, je le fais pour vous. Là, comme ça. Là. Donc qu'est-ce qu'on avance? Là on est plus souple évidemment, on est descendu. Voilà, vous gardez c'est pas être le canapé. Hein. Vous n'arrondissez pas le dos, juste le bout des fesses. Hein. Pied flex, serrez la cuisse, et vous amenez le nombril vers l'avant. Les deux fesses au même niveau. Allez, redressez-vous, serrez la cuisse, redressez les épaules et vous amenez le nombril vers l'avant. Les deux hanches au même niveau. Sentez l'étirement là, sur le mollet. Vous voyez pas que Régine elle est comme ça derrière, elle change et tout. Hein. Elle est, ouais. Au secours. Alors les enfants, je sais que hier le cours de yoga qu'on a fait, posture debout, ça a eu un énorme succès parce que je vous ai appris à faire tout ce qui est difficile, mais en commençant facile avec la chaise. Voilà, allez, on continue. Attendons un petit message. Hélène, alors elle dit bonjour, je suis nouvelle. Est-ce que je peux retrouver toutes les vidéos? Oui, tu peux. Malheureusement. Tu peux. Malheureusement, chérie. Alors le matin, oui, tu peux. C'est facile. Ça marche par quart d'heure. 15 minutes cardio, 15 minutes assis,
15 minutes couché et 15 minutes les stretch. Tu m'écris, je te dis. Allez, pied flex. Vous avez vu, j'ai ouvert la jambe. C'est pour les adducteurs. Allez. Là. Là, vous vous redressez. Les deux fesses au même niveau. Là, vous amenez le nombril vers l'avant. Vous sentez l'étirement ici, à l'intérieur. Et dès que tu viens d'où, chérie? Qui t'a parlé de nous? Est-ce que t'es? Vous l'avez senti ou pas? D'accord. On saura plus tard. Allez. Les deux hanches au même niveau. On amène le nombril vers l'avant. Il y a la pub. C'est pas sympa de me faire combler sur les Bee Gees qu'ils ont la voix super aiguë, que je suis baryton. De Rouen, Hélène. De Rouen? Comment tu es arrivée? Tu me raconteras. Bon, bienvenue à ici. Ici à ici. On va prendre son pied avec la main posée. N'aie pas peur, Hélène, reste avec nous. Hein? N'aie pas peur, Hélène, reste avec nous. Ne lui fais pas peur. Main opposée. Ça va, ça? Donc vous gardez les épaules face, basculez le bassin, poussez le pied contre la main et vous montez. L'important, c'est d'arriver à basculer le bassin vers l'avant. Tenez bien le centre, le périnée, le ventre, la main sous l'épaule. C'est vraiment la main opposée, hein? Allez, de l'autre côté. Je sais plus quelle jambe il faut que je fasse. Moi, tu te débrouilles. Ouais. Tu te débrouilles. L'autre. Non, j'ai déjà fait. C'est celle-là. Merci, Régine. Pas de quoi. Allez, les deux épaules face. Vous pouvez plier la jambe par terre, mais le genou reste vers l'avant. Basculez le bassin. Donc, le travail du périnée et on tire le ventre. Et vous poussez le pied contre la main, comme si vous vouliez tendre la jambe. Donc vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous montez davantage. La bascule du bassin tout le temps. Coccyx vers l'avant. Poussez bien le pied contre la main, repoussez la main sur la chaise. Allez, vous relâchez. Asseyez-vous. Bon, je vais rembourrer hein, parce que moi, avec cette chaise là, avec des barreaux, c'est une chaise de jardin. Et mes fesses cagneuses. J'ai l'impression d'être Sharon Stone. Oui, mais tu l'es pas. Allez, on penche en avant. Sentez encore l'étirement de la fesse. Toi, tu es Paul Verhoeven. Non, mais tu es pas. Alors, les deux hanches au même niveau. Non, le périnée, je suis tellement mieux que Paul Verhoeven, tu m'excuses. Alors, vous ne soulevez pas les fesses, hein. Tous les deux fesses appuyées. Voilà, vous sentez légèrement sur la fesse. Génial, hein. Non, parce que Paul Verhoeven, il est nul. Voilà, maintenant, regarde. Tu as une main qui va appuyer sur le genou. En pied flex. Ça va stabiliser la hanche, là, tu le vois. Et puis, tu vas monter l'autre bras par l'avant. Pas sur le côté, hein. Ça va dire un déplacement horrible. N'oublie pas que quand tu sors, tu me représentes un petit peu dans le monde après. Hein. Bon, on n'est pas encore sorti. Et on va sur le côté. Donc tu pousses, tu stabilises. Ça reste au sol. Et on va sur le côté. On sent l'étirement là. Pour le moment, pensez que vous allez sur le côté, mais vous poussez le bas des côtes en arrière. Comme ça, on étire le dorsal à l'arrière. À l'autre côté. Moi, je pourrais faire ça toute la journée. Moi, c'est ce que tu fais en même temps. Allez, on penche. On partit du nombril. C'est le dernier exercice. Après, je m'en vais. Hein.
Je vais réveiller Schtroumpfette, je vais prendre mon second petit déjeuner. Et moi, je vais préparer le cours de midi, je vais vous répondre. Et moi je vais travailler. Je vais faire les réseaux sociaux. Je vais travailler. Allez, là. Vous vous stabilisez là, bloqué. C'est le contraire, c'est la main opposée. Par l'avant, pas sur le côté. Baissez bien l'épaule, ouais, vous allez sur le côté. Appuyez bien. Ne lâchez pas le centre pour sécuriser le bas du dos. Poussez bien les côtes en arrière, le bas du côte. Pas ça? Bon, on verra. On relâche le haut du dos. Mon Dieu, on dirait qu'on est dans une capsule spatio-temporelle. Croisez là les mains, comme ça. Descendez les plus bas que les épaules. Poussez les omoplates vers l'arrière et les mains vers l'avant. Vous les pressez. Hein. Sentez l'étirement entre les omoplates. Ce sont des étirements, demande Hélène. Oui. C'est le dernier quart d'heure d'étirement, chérie, après tout ce qu'on a fait. On a fait une activité cardiovasculaire parce qu'on est enfermé. Après, on a fait du pilates debout pour pas qu'il y ait de pression dans le cerveau après le cardio. Après, au sol, et maintenant, on finit comme ça. Donc, on peut prendre ce qu'on veut, en fait. On sait que ça marche par quart d'heure. Allez, ouvrez bien la poitrine. Sentez bien l'étirement sur la poitrine, sur les bras, à l'avant, les biceps, les épaules. Allez, on relâche. Merci tout le monde. Un gros câlin. On se retrouve à midi pour quelque chose de plus intense. Donc tout ce qu'on va faire, qu'on a fait là, on va, par exemple le cardio, on peut le sauter. Donc on met des baskets si on en a. Et puis on monte d'un cran les exercices. Sauf si vous voulez les garder à ce niveau-là. Allez, bisous. Ce soir yoga, 18h30. À tout à l'heure. Bonne journée à tous. À tout à l'heure, Hélène. Ciao, ciao. Oh non, mais Jean-Marie va t'expliquer et tu vas tout revoir, Hélène. Voilà. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous à tous.